Salut les gens, c'est Slan, on se retrouve sur Prison Architect, et c'est Local Cause. Alors, on va travailler avec eux, ils ont des besoins, notamment sécurité, spiritualité, produits luxe. La sécurité dépend de leur sentiment d'insécurité. Quand il y a des meurtres, quand il y a des bagarres, quand ils voient des gens énervés, quand il y a beaucoup d'âmes en circulation et quand il y a beaucoup de gardes armés. Alors, je ne sais pas pour les gardes armés si c'est quand ils les voient ou quand ils sont là. Là, c'est quand ils sont là pour le danger. Mais pour le sentiment de sécurité, c'est une autre chose, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, on ne peut rien faire pour empêcher tout ça. Le niveau de danger étant très élevé, il y a beaucoup d'armes en circulation, et je préfère que ça reste comme ça, pour qu'il y ait des morts et que donc on ait des nouveaux arrivés, et moins de population. Donc on va pas pouvoir contrôler le niveau de sécurité tout de suite, mais à terme on pourra. Pour les produits de luxe, il faudra qu'ils aient accès à une shop qui soit avec d'autres prisonniers d'un autre niveau d'accréditation qui gère la shop pendant que eux ils vont faire leurs achats. C'est juste pas possible. Ils n'auront pas pour des luxe. La spiritualité, on peut faire quelque chose, on a une armurerie qui est beaucoup trop grande parce qu'en fait on n'a que trois gardes. On va donc démonter tout ça et faire une chapelle. C'est parti. Non, les murs, je veux pas tout démonter, mais une partie quand même. Voilà, c'est des objets que je voulais démonter. Hop, voilà. Tout ça. Tu vas me démonter tout. Tous les objets qui sont là-dedans. Merci. Tu vas me démonter ça aussi d'ailleurs. Tiens, hop. Tu vas me démonter des services. Donc ici. Tous les services qui sont là-dedans. Là. Ça aussi, ça aussi, ça aussi. Ça, je sais bien que ça reste. Mais ça, je suis obligé d'enlever. Est-ce qu'on a vraiment enlevé tous les services? Pas envie que ça traîne partout. Allez, et on va remettre des services. Voilà, zou. Faites-moi tout ça. Et en même temps, on va venir ici et on va essayer de grappiller du terrain. Donc, moi, j'ai besoin de 3 pour faire une remise. Plus 2 pour marcher. En plus, au moins 3, 4 pour marcher. Ça fait 7. 7 plus 8 plus 2, 10. Ça fait 17. J'ai besoin de 17. Donc 3 pour ma remise, 4 pour marcher, 8 pour faire mes trucs et 2 là. Donc ici je peux faire un mur avec 2 de décalage. Donc ici il faudrait que vous me fassiez des fondations en briques bleues. Ici. Puis. Ici. Puis. Ici. Voilà, débrouillez-vous. Trouvez une entrée quelque part. S'il le faut, faites une porte. Trouvez une entrée, quoi. Il va pas du tout y avoir des échappées par là. Je crois pas du tout. Allez-y. C'est bon, les gars. La porte de distance, faut aussi la démonter, hein. Alors oui, on entend un peu les alarmes des hélicos ici, et c'est un petit peu casse-oreille. Casse-bonbon. Le mec qui dort ici, je pense pas qu'on arrivera à le mettre bien dans sa peau. Hein. Faudrait m'expliquer, sinon il faut qu'il soit sourd. Sourd, ça marche. J'ai plus de sous. J'ai des sous. C'est rien. Ne vous inquiétez pas. Ils font semblant, c'est comme un jeu. Alors on va faire un joli petit parquet ici. Parce que ça c'est notre chapelle. Ouch! On va faire des prières pour avoir un parquet. Carrelage blanc ici.
carrelage blanc ici. Gris ici. Tiens, d'ailleurs, on a un mur à casser. Ici. Là, faut démonter. Quand c'est sûr que ce soit pas démonté, ça, et la grille. Pareil, porte du personnel, grille, faut démonter. Porte du personnel, faut démonter. Alors, les portes. Là aussi, il faut démonter. Il y a plein de trucs à démonter, là. Allez, hop, démontez-moi tout ça, là. Tout ça. Bah, dis donc. La grille. On la démonte pas. D'accord, celle-là, par contre, on la démonte. Hein. Ouais, bah go, là. Bougez-vous un peu. Donc, maintenant qu'on a démonté ça, on va pouvoir remettre ça ici. Un servomoteur ici. Un autre ici. Un autre ici. Encore une fois, on envoie tout le monde. On va faire quelques petits carreaux blancs. Non, ça a déjà été fait. Et des murs jaunes. Ici, ici, ici. Un petit sol de grille. Et on repart faire mimuse avec nos portes. Une. Une, et pourquoi pas un petit mur jaune ici. Ça ferait pas de mal. On attend le cerveau moteur ici et on va connecter. 1, 2, 3. Connecté. 1, 2, 3. Tout va bien. On va maintenant refaire notre cuisine avec une cuisinière, un évier et un frigo. On va aussi mettre ici des toilettes et un joli. Joli quoi? Joli évier avec miroir. Merci. On pourrait aussi s'amuser avec des lumières, comme par exemple une ici. Ça serait bien, des gicleurs. Un ici, il faut payer. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? L'armurerie. Objet. Donc on tape armurerie, on tape le nom de la pièce. Armure. Voilà, avec un M. On récupère nos trois casiers. On va acheter une petite table. On va remettre un râtelier d'armes ici. Maintenant on va taper chapelle. On va mettre un hôtel ici. Un banc d'église ici. Trois tapis. Merci. Et puis il va falloir refaire nos services. Alors pour info, je vais vous montrer un bug. Un bon bug exploit. Vous aimez les bugs exploit? J'ai repéré ça en préparant le truc. Regardez, j'ai enlevé mon eau là. Là j'ai pas mis ma chaudière, je vais la mettre. On va d'abord enlever les tuyaux qui sont là. Là, il enlève ça, regardez. Et hop, l'eau elle tourne ici en boucle. Ah bah non, bah dans mon autre partie ça me l'avait fait.
Dommage. Ça ne le fait pas tous les coups. Pas forcément reproductible. Ben moi j'avais l'eau qui tournait en boucle ici, qui s'auto-alimentait. Bon bah tant mieux si c'est pas reproductible, vous ne pourrez pas voir ça. J'aurais dû le garder, tiens. Hop. Là, on va aller au gicleur. Là aussi, on a un gicleur. Là, on a des trucs à démanteler. Ici, on va avoir un petit tuyau. Hop. Ici. Ici. Puis je pense qu'on est pas mal. Il va nous falloir maintenant des câbles électriques. Ici, ils ont fait plein de cochoncetés. Ça serait bien qu'on... Est-ce qu'on se relie comme ça? C'est les... C'est Migalet. On peut relier comme ça. Et enlever les... La cochonceté d'ici. On va aller voir comment ça se passe ici. Bah ça se passe pas terrible. Après ils vont évidemment plus du tout venir me faire ça. Quoi qu'en même temps, je leur ai dit que c'était pressé, donc ils vont quand même venir le faire. On va mettre en place nos pièces. Comme par exemple ici, une chapelle. Merci de m'aider. Une cuisine. Et une armurerie. Qui va s'arrêter. Voilà. Alors les portes, là, ça a été fait. Par contre, je sais pas si on a fait notre vêtement, on verra ça. Hop, 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 ils sont beaucoup trop nombreux. S'ils se déplacent comme ça en masse à chaque fois qu'il y a un... Vous êtes trop, trop nombreux. C'est pas normal ça. Et par contre, là, ils viennent pas nettoyer, c'est juste bizarre. Qu'est-ce qu'ils font les cuisiniers? Ah, bah, ils viennent prendre la bouffe ici, c'est pas plus mal. Ça, c'est très bien aussi. Voilà, la chaudière n'a pas été mise. Ici, ça avance. Je m'en doutais qu'il n'y aurait pas de problème de sécurité du tout. C'est à peine de vue, on pouvait à peine le deviner. Donc ici, nous allons faire... 8 sur 10 systématiquement. Jardin potager. 8 sur 10. Verger. Terre agricole. Voilà. Donc là, ils ont tout remis ou pas? Vous avez pas remis le frigo. J'attends le frigo. Et c'est après, moi, je vais aller vendre des trucs. Je vais aller vendre tout ce que je peux. Ici, objet. On pourrait rajouter 2-3 babioles dans la chapelle. Des babioles importantes, comme la statue du directeur. Quelques peintures. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça se monte un... Bah, c'est pas très grave. C'est justement là où on était en train de tout refaire.
Genre, faut un fond suffisant pour faire un truc à 10. Fiche-toi juste un tout petit peu. Merci. Oups, la statue du directeur, ça coûte cher. Pourquoi ils mettent pas mon frigo? Dans la file. Ben oui, mais fais-le. Un moment. Alors, déploiement. Logistique. Distribution de nourriture. Qu'est-ce que c'est que ça? Ils vont pas manger là. Hein. Déploiement, logistique. Voilà. D'accord. Quoi? Tirer? C'est quand même pas compliqué. Pourquoi vous avez des armes sinon? Une grande fenêtre ici. Alors, on a ici. Oh, c'est pénible. Voilà, ce petit truc-là. Et à vrai dire, on a fini, hein. Pourquoi? Bah parce qu'il a pas de frigo, pas de porte, pas de statue. Et là, la peinture, il faudrait que je la déplace parce que c'est moche. Faut la mettre là. C'est derrière la porte, quoique, quand la porte est fermée. C'est une peinture un petit peu osée. Voilà, très bien. Super, et mon frigo? C'est toujours en cours, c'est dans la file. Ne presse pas. Ils ont sûrement pas faim. Il est juste là, hein. Toi. Quoi? C'est bien de m'enlever mes casques. Ça, je suis d'accord. Vous avez fini de toute façon là? Quasiment. Alors du coup quoi? Alors le plan. On enlève. Voilà, là les murs. On démonte l'objet et on démonte le mur. Alors, objet de la lumière. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est entre les deux. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, c'est parfait. Voilà. On aura des entrées ici, et puis ici aussi, là. Du coup, mon frigo? Bah non. C'est assez incroyable. On va même pouvoir mettre le parquet avant. Vous savez quoi, le frigo? On va l'en mettre. Ça a l'air juste un tout petit peu buggé, tout le reste a été fait ici.
On va refaire le parquet. Et pour finir. Alors ici. Nous allons avoir ici. Supprimer toutes les parois. Émission de programme. Je sais pas ce qu'il faut faire quelque chose. J'ai oublié d'aller voir. Guidance spirituelle. On va monter là-haut. Pas de salle disponible. Attends. Ok, bouge pas. Je sais d'où vient le problème. Régime. Pas du tout. Régime. Vous allez travailler entre 8h et 10h. Et donc, il y a un autre créneau. Donc du coup, on peut faire un programme à une autre heure. Voilà. Déploiement. Ici c'est jaune. Ici c'est violet, violet, violet. Donc ils devraient être escortés hein, pour venir ici. On peut pas leur laisser le passage de l'un à l'autre. Hein. Sinon quand il y aura trois chefs de gang qui iront se causer, autant les mettre au milieu de la foule. Ils ont pas de sanctions, donc faut pas trop les tenter non plus. Oh le frigo! Mince, c'est incroyable. Tout a été fait. Ok, ici c'est terminé. Ici c'est terminé pour moi. La chapelle fonctionne et... Lui il est énervé encore hein, pour l'instant. En même temps, ils sont dehors, il pleut. Hein. Genre en plus, j'ai pas de bol quoi. Et il fait pas 92 degrés. Oh la chance. C'est vrai quoi, on a de la chance quand il fait pas 92 degrés. Donc ici, mur de basse sécurité. Voilà. Ah bon, on a une fondation là qui est cassée. Voilà. On va faire le sol qui coûte la peau des fesses. Enfin, il coûte pas si cher quand même. Quoi? Arrête ton char. Et on va se faire max de thunes. Oh oui quand même. Suffisamment pour faire un seul cargo. En tout cas. C'est combien le parquet? C'est cher. Mosaïque. Ça c'est une pièce. Bah oui, si c'est une pièce. Très bien. Et donc ici, on est d'accord que ça fait 30. Et que donc si je veux un passage ici, il faut que je délimite 14 et 14, on est d'accord. Mur et porte. Double porte. J'ai triché, d'accord. C'est là en bas. Voilà. Est-ce que ça serait pas mieux des vraies portes qui se déverrouillent et tout? Ouais, bon, plus tard. De toute façon, objet, double porte. Là aussi. On va en mettre. Et ensuite, mais c'est pas fini. Il nous faut un objet remise. Quelle est ma remise? Parce que sinon, pas content. Et pourquoi je mettrais pas ça là?
que ce soit posé sur un. Ah, il faut une remise dans le truc. Oui, mais on peut faire ça. On va faire. Verger, la remise va être ici. Voilà, la terre agricole, la remise va être ici. Le jardin potager, la remise va être ici. Et pourquoi l'on pourrait pas? Trop de prisonniers, vous croyez? Jardin. Mais alors, pourquoi qu'est-ce qu'elle a la remise? Je capte pas. Là, je peux la mettre, mais là, je peux pas la mettre. Et pour l'autre, j'ai plus. Ah, moi, je veux bien, mais tu m'expliques. J'ai dû inverser, non? Pas du tout. Oula, alors là, c'est n'importe quoi, là. Verger. Terre agricole. Remise. C'est moi qui la mettais trop haut, je pense. Voilà, tout simplement. Je me fie au nom. Donc je pense que je vais pouvoir enlever. C'est de là. Et enlever. De là. Voilà. Eh bien, les portes, ça a été mis. C'est plutôt classe. On va faire des revêtements un petit peu partout. Ah ben, la remise, faut qu'elle soit alimentée en eau. Très bien. Et un petit peu de revêtement cargo aussi. Voilà. Parfait. De l'eau. Alors, on va alimenter comme ça. Ensuite, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, a priori, je dirais que c'est là, mais ouais, c'est ça. Un, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et il est temps d'aller alimenter électriquement tout ça. On n'est plus à ça près. Et on fait des petites liaisons, d'accord, comme ça. Paf.
Donc ici, cette pièce, c'est un garde-manger dans lequel on va mettre des étagères. Mince, c'est pas assez large. Tadam! On va oublier la porte, on va refaire un mur. Voilà. La double porte. T'es parti. Au boulot. Ici, c'est à quelle heure l'office? C'est bientôt, hein? Le déploiement ici. On est d'accord que rien n'a changé, hein? Ça serait bien qu'on fasse les mettre aux chiens là pour toucher. Est-ce que je peux faire les trucs de chien là? Objet chien. Caisse de chien. Très bien. Patrouille de chiens. Alors, patrouille magenta. Voilà. Une patrouille de chiens. Voilà, patrouille de gardiens armés. Et bon, on va les mettre là, tiens. On refait tout là. Bah oui, c'est ça, on refait tout. Hop là. C'est quoi ça? Qu'est-ce qui va venir faire ça? J'aime bien le savoir. En tout cas, les étagères, ça coûte cher. Voilà. On pourrait mettre de la lumière aussi dans cette pièce. Ça serait pas de refus. Ça s'est pas mis. Ma capacité gouvernementale. Capacité d'admission. Ça serait bien ça. Niveau de sécurité gouvernementale. Et capacité d'admission. On fait un 2 en 1. Bon, il devait pas. Non, on est en PM, d'accord, c'est demain matin. Oui, au final, regardez, il est calme, hein. Il est plus qu'énervé qu'à 4 étoiles. Oui, même produit de luxe, il a réussi à s'en fournir. Bon, bah. Peut-être que le fait de manger gras et gros lui fait baisser un peu son produit de luxe. Après, il y a certains trucs qui sont des trucs luxueux qu'ils ont là, qui sont là-dedans, donc. Peut-être. Peut-être, peut-être. Excellent. La porte.
Démonter les objets. Voilà, hop, ici. Pourquoi là on n'a pas de fondation ici? Ok. Alors, c'est pas fini. Il va nous falloir des sous, beaucoup de sous. Beaucoup, beaucoup de sous. 15 000. Pouf! Bah je les ai pas. Déjà c'est réglé. Virage vert, ici. Bah, il faut mettre une moissonneuse. Et ici aussi. Et ici non. Ah bah non, c'est que 10 000. Parce que dans les vergers, il n'y en a pas besoin. Malheureusement d'ailleurs. Ramasseur automatique. De base, non, non. Gros ramasseur automatique. Voilà. Ici. Et ici. Attends, il faut les mettre au milieu du truc. Mais ça va gêner les moissonneuses, c'est quoi la blague? Pour moi, ça va gêner les moissonneuses. On va voir si ça gêne pas les moissonneuses, tant mieux. Hop, revêtement, ici. J'ai hâte de voir ça. Si, il faudrait que je teste, ça se trouve, les remises aussi, je peux les mettre dessus. Ou quelqu'un, j'aurais pu en mettre. Probablement un de plus. On va voir. Il y a l'arrosage aussi à faire. Ouais, c'est pas gagné tout ça. Ça y en a de 2 mètres chiens, mais je peux plus les acheter maintenant. Avocat, comptable, maître chien. 500, je peux les acheter. Bah go. T'as vu, je l'ai eu mon truc? Non? Patrouille. Un décès de quoi? Oh non! Et ça va devenir dur, hein. C'est un gardien armé qui est mort. Tu t'exagérais quand même, hein. Insuffisant. Ils me refont le coup, c'est abusé. Très bien, déploiement. Patrouille. Il n'y a que dans les bleus. Donc évidemment. Voilà. Et pourquoi pas? Ah, parce qu'il faut pas les mettre au même endroit. C'est tellement stupide. On peut les inverser, d'accord.
Et il faut falloir ici que je supprime les gardiens armés, je pense. Ou ça y est, j'ai eu le truc et puis on n'en parle plus. Ben non, je l'ai pas eu. On va devoir attendre. Déploiement. Actuellement, on est dans les bleus. Et je vais dédéployer le gardien armé ici. Pour faciliter. Go, mets-le moi. L'objet, chien. Il faut en plus que ce soit électrifié tout ça. Pourquoi je suis pas étonné? On viendra plus tard pour l'irrigation. Ici, affecté 2 mètres chien. Pourquoi est-ce qu'il vient plus? Que font les autres maîtres chiens? Ben, ils sont deux là. Les gars. Non, il est fatigué. Bah ben, défatigue-toi, hein. Bien. Ils sont où les autres maîtres chiens? Je crois que j'ai pas le droit de savoir. Si je clique, c'est pour les renvoyer. Il y en a un qui est plus ou moins mort là déjà. Ça. Ouais, renvoyer. Si on touche quoi que ce soit, ça les renvoie. Et minuit. Exportation d'énergie, flux de trésorerie, frais de consultation. Repas du personnel. Donc ici, demain, on est censé avoir la chapelle qui calme les gens. Ils l'ont remis. Mais par contre, ils n'ont toujours pas nettoyé le mort. Et pourquoi il est là, lui? On a quand même. Et pourquoi on n'a pas de médecin ici? Ce jeu, en fait, à la longue, il devient pénible à jouer. Parce qu'en fait, il y a tellement de petits trucs illogiques. C'est quand même pas un parly, je veux dire. Ils sont pas idiots non plus. En plus, il y a du boulot là, mais personne va y aller. Pourquoi il y en a deux en poste là? Parce qu'on a changé, on est après minuit donc. Voilà, donc là c'est plus possible. Bon. Déploiement. Les gardes armés.
On les supprime. Ils finiront bien par se retrouver. Ils sont 3 et 3, hein, donc ils finiront bien par se retrouver au bon endroit. Quoi? Et des lignes, mais toujours pas de chien. Faut un truc pour les chiens? Non. Si, il faut un chenil. Ceci explique cela. Voilà. Hop là, un. Qu'est-ce qu'il en faut d'autre? Entouré par des murs et des portes. Bah, vous êtes pas chiant, pénible. 1, 2. Bah, les petites portes. Clôture standard, voilà. Tout le monde peut ouvrir. Et des caisses de chiens. Bon, bah voilà, ça devrait aller mieux. Ça devrait se faire sous peu. Ça y est, les chiens se reposent. Et demain matin, ils iront faire le taf. Qu'on leur a demandé de faire. Nos caisses viennent d'arriver. Voilà, ça vient d'être mis. Porte de clôture, verrou ouvert. Porte de clôture, verrou ouvert. Qu'est-ce qui va entourer par des murs et des portes? Alors, pièce, chenille. Voilà. Si, maintenant c'est bon. Voilà. Donc ça se repose et demain ça ira patrouiller. Nous, on va s'arrêter là. On a notre chapelle qui devrait faire un effet. On a encore eu un mort. Il faut vraiment qu'on arrive à les calmer, eux. Et puis bah, je vais me renseigner un petit peu pour savoir si la remise elle bloque le passage. De toute façon, je vais en poser une de remise au milieu là. Je vais poser tout ce qu'il faut ici au milieu. Le truc pour récolter, le truc pour irriguer, le truc pour la remise. Parce que si jamais on peut en faire une de plus, on en fera une de plus. Hein, on enlèvera la porte qui est ici. Et on fera trois fois le même truc. Bah voilà, je vous remercie d'avoir regardé. J'espère que ça vous a plu. Et à tout de suite pour la suite.